Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, self-inspiration, idée, R&D soi-même. Et je vais vous montrer comment réaliser donc, cette écharpe en laine pour chaussette. Donc, vraiment sympa, agréable, chaude. Et donc, j'ai bien sûr mon qui dit laine pour chaussette, ça veut dire aussi laine fine, donc j'ai doublé. Comme ça, ça va aussi plus vite et puis ça donne quand même une épaisseur, une plus grosse épaisseur. Voilà. Donc voici l'écharpe que j'ai faite, donc ce joli effet donc vieux rose avec des petits points, des petits éclats de couleurs. Et donc voilà, donc, on n'a plus qu'à faire ça en maille serrée et maille en l'air. Donc c'est simple hein, comme motif, vous allez voir. Et puis je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. Alors c'est parti avec cette jolie laine de Rico Design, Tweed Fuller, en fait Tweed Laine. Wool, pardon, je vais y arriver. Et donc ce sont pour des crochets donc, de 3 mm. Et moi je travaille avec un 6 parce que je vais la doubler. Et on a donc 100 grammes, 375 mètres. Donc voilà, on a. Pour ça, donc, je vais sortir donc, une petite étiquette. Et je vais chercher le fil. Donc là, j'ai déjà une pelote de prête. Et je vais chercher la deuxième aussi parce que. Donc je vais déjà même travailler en parallèle, donc je prends les deux fils que je vais travailler aussi, donc je vais chercher le bout du fil. Alors il y en avait un fil qui était plus simple à trouver, mais celui-là, bon, faut creuser un peu plus pour l'attraper. Voilà, donc j'ai les deux. J'ai mes deux bouts de fil maintenant. Je vais pouvoir les associer puis commencer le travail. Comme ceci. Ça va être peut-être encore un peu fin pour le crochet 6, mais je vais quand même tester. On va voir ce que ça donne. Mais ça devrait passer en fait. Donc je vais mettre le reste de côté puis je vais pouvoir pas gêner. Et je vais crocheter 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, donc ça c'est la largeur que j'obtiens. Et donc là, je vais dans la deuxième maille et faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Ensuite, je laisse encore une maille, une maille serrée, une maille en l'air et dans la même maille, à nouveau une maille serrée. Donc après, bon, voilà, on peut continuer. Donc je travaille bien avec le 6 crochets 6 mm, hein, c'est confirmé, c'est plutôt bien ce que ça donne. Puis maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et on saute une maille, puis ensuite à nouveau, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Voilà, vous avez vu, ça se répète plutôt pas mal de fois, donc ça va être toujours la même chose. Et donc après, donc avec ce, comme on a commencé à travailler, et bien on arrive à la fin, et à la fin, on arrive bien sûr à la dernière maille exactement, pour faire maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Après le tour, je vais pas faire de maille en l'air, et je vais travailler à chaque fois au niveau de la maille en l'air entre les deux mailles serrées. Donc maille serrée, maintenant maille en l'air, maille serrée au niveau de cette maille en l'air qui a été réalisée au rang précédent.
Et pareil, je vais maintenant au niveau de la maille en l'air entre les deux autres mailles serrées et c'est reparti, on y va aussi. Voilà, donc on continue. Là, donc maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et ensuite, on saute une maille, etc., etc. Et je fais ça donc jusqu'à la fin du rang. Donc là, j'ai voilà, crocheté deux rangs déjà. Donc ça fait joli comme l'effet que ça donne quand ça se... Quand les motifs se rencontrent comme ceci. Donc voilà, après, vous avez vu, ça se répète hein, à chaque fois, vous faites... à chaque rang, en fait, vous travaillez directement maille serrée, maille en l'air, maille serrée, donc au niveau de chaque maille en l'air qui était entre les deux mailles serrées du rang précédent. Voilà. Mais c'est très joli quand comme elle se superpose en tout cas. Voilà, petite mise à jour pour vous. On peut bien voir le motif. On voit bien, donc voilà ces petits motifs qui vont l'un dans l'autre. Vraiment sympa. C'est léger, c'est lumineux en plus avec les couleurs. Donc ça fait quelque chose de vraiment sympa. Et puis bon, on travaille avec deux fils et puis ça se travaille très bien avec le crochet 6. Voilà donc, bon, ben, j'ai maintenant utilisé toute ma laine. Donc on arrive à la fin. Donc là, je vais maintenant couper, raccourcir et coudre. Voilà, j'ai le fil de début, de fin, de final à finir. Bah donc ce qui est pratique quand on fait ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail de couture. Donc c'est bien qu'on passe bien. Voilà, ça donne un effet vraiment sympa. Donc c'est une expérience vraiment chouette à réaliser. Voilà. Donc, super chouette. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé les instructions, que vous avez passé un bon moment. Et aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des suggestions, et on se dit à très vite. Salut!